Donc je disais, j'avais pas envie de rentrer à la maison. J'avais juste envie d'être dehors un peu. Dès qu'il fait beau là, ça fait longtemps qu'il n'y avait pas du beau temps comme ça. Et du coup, ça m'a donné envie juste de traîner dehors. Et je savais pas trop où aller, puis au final, bah, j'ai pris le bus et je suis allée dans un parc qui est à côté, plus ou moins à côté de chez moi. C'est le Treptower Park. J'aime bien, c'est paisible le matin à 9h, il n'y a personne. Juste des oiseaux, des gens qui promènent leurs chiens. Pareil, des gens qui s'assoient tranquilles, tout seuls. Ouais, ce vent là, j'ai une vieille gueule, je me suis levée, j'ai amené ma fille à la crèche et je suis venue ici en fait. D'habitude je rentre à la maison. Oh, regardez. D'habitude je rentre à la maison et puis bah je bosse quoi, je fais mes trucs, je dessine, je sais pas, je réfléchis. Café est dégueulasse. C'est un truc pas cher, tu peux acheter genre des pâtisseries, des cafés. Il y en avait un à côté de la gare, enfin de là où j'étais. Du coup j'ai pris, mais c'est une horreur. Quand je sais que le café va être dégueu, je mets du sucre ou du faux sucre dedans, histoire de pouvoir l'avaler. Ce qui est complètement con, vaut mieux pas boire de café, j'ai l'impression dans ce cas-là. Enfin bref, la logique. J'avais trop envie d'un café, mais je savais que c'était pas... Je savais que ça allait être dégueu. Bon, sinon en ce moment, bah, j'ai essayé de faire des lives sur Twitch. Et c'est pas facile en fait. Enfin c'est pas facile. Non ça va, tu branches ton truc, tu fais ton live. Ce qui m'a fait chier c'est que j'avais des problèmes à régler ma caméra. J'ai une webcam qui marche super bien, que j'adore. Je suis trop contente de l'avoir achetée. Mais par contre j'ai besoin d'une deuxième caméra qui filme quand je dessine. Donc qui filme au-dessus. Mais j'ai cassé mon espèce de trépied flexible qui tenait. Que j'accrochais bizarrement. Enfin, bref, j'accrochais sur mon autre trépied. Ça a plus de sens que je raconte. Et comme je l'ai cassé d'une façon tellement conne, je l'ai arraché sans. Je sais pas, c'était vraiment chelou. Et ben, du coup, là, j'attends de recevoir un espèce de bras articulé pour accrocher directement sur ma table. Et comme ça, je peux accrocher mon téléphone comme un trépied, mais amovible, enfin flexible, je sais pas comment ça s'appelle. Du coup, je vais le recevoir bientôt, j'espère. J'attends là, depuis quelques semaines. Et ça va m'aider, c'est pour ça que je fais moins de vidéos où je dessine et tout, parce que j'ai pété mon truc. Et voilà, quoi. Donc mon but maintenant, c'est de continuer la BD. Je vais en faire une deuxième. Je me suis concentrée sur d'autres trucs. Je suis un peu genre partout à la fois, moi. C'est un peu relou. J'ai du mal à faire un truc et puis après boum, c'est fini. Mais bon, c'est comme ça que je fonctionne. C'est que j'arrive pas à être... Si je suis que sur un projet, c'est là où je me démoralise vite et puis après je... démotive vite et après je fais plus rien. Et je l'abandonne en fait. Donc si je fais un peu ça à côté, je fais un peu un autre truc, etc. Ben ça veut dire que ça avance doucement, ok, mais au moins ça avance dans plusieurs trucs en même temps. Puis après je vais trouver, je pense... mes marques, voilà. En fait, les lives, j'ai vraiment envie d'en faire. C'est con, mais ça me rappelle quand on était jeune et que je passais mes soirées à chatter avec des gens que je connaissais pas, parce qu'on était sur un forum et qu'on aimait la même musique et machin. On allait sur des forums, puis en fait, après, sur le forum, tu chattes pas directement en général, je crois, enfin, dans mon souvenir. Et après, on allait dans je sais pas, sur MSN ou sur d'autres programmes, et puis on chattait quoi pendant des heures et des heures. Et c'est vrai que je passais mes nuits quand je pouvais dessus quoi. Et je parlais avec des gens. Et puis le côté du live, genre les Twitch, j'en ai regardé quand même. Ouais, ce côté interactif, il y a ce côté où tu. Je sais pas, t'es chez toi tranquille et puis tu. T'as les mêmes délires que quelqu'un, donc tu discutes. Puis à force, on apprend à se connaître. Et puis on fait des
des blagues, des machins, enfin des private jokes. Et j'aime bien ce truc là. J'aimerais bien avoir genre des gens qui ont juste envie d'être là avec moi et de chiller quoi. Bon, je sais pas, c'est la première fois que je me filme comme ça. Là, c'est vraiment parce qu'il y a personne. Sinon, je supporte pas faire ça. J'ai vraiment du mal. Donc, prochaine étape, c'est soit j'arrive à réparer mon trépied, mon mini trépied. Je parle bien, parce que j'en ai deux autres à la maison des grands. Donc je vais essayer d'en trouver un autre. Genre en promo ou je sais pas quoi, ça serait cool, quoi. Parce que j'ai pas beaucoup d'argent à dépenser pour ça. Vu que ces derniers temps, bah, j'ai dépensé pour pour du matos quand même, en fait. Quelqu'un a perdu une écharpe. Hop. Voilà.